Grinders, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super malgré ce temps de... On va pas dire le mot. Voilà, c'est pas un temps incroyable. On est le week-end et bien de la réouverture de Space Mountain, plutôt de Hyper Space Mountain, l'ouverture. Voilà, donc là il est 8h, on va aller directement faire ça. C'est aussi le week-end de la Dapper Day, malheureusement. Voilà, Dapper Day, génial. On est en jogging parce qu'il pleut trop et être en blanc toute la journée alors qu'il pleut, c'est pas non plus la meilleure idée. Donc là on va aller directement aller à Hyper Space Mountain et on va aller faire cette nouvelle attraction. J'espère que ça va être cool. Bon, comme Hyper Space Mountain et bah, est fermé, ça va 8h. On s'entraîne à Buzz Lightyear. Un Buzz Lightyear Laser Blast. Voilà. Donc on va le refaire encore pour faire un meilleur score. On est parti pour un deuxième tour de Buzz Lightyear Laser Blast. Bon, j'ai fait 725 000 la première fois, on va voir combien je vais faire cette fois-ci. Peut-être je vais faire moins bien, peut-être je vais faire mieux, on sait pas, on va voir. À une vitesse impressionnante, dans l'obscurité de l'espace. Waouh! Bon, du coup, on a fait Hyper Space Mountain. C'est de la bonne merde, mais comment dire, on va quand même le refaire, c'est travaillé, c'est pas aussi nul qu'on pensait, mais ça se voit quand même que ça va pas rester non plus très très longtemps, voilà, ça se voit, au niveau des décors, au niveau de tout ce qu'il y a, je vais pas non plus vous spoil, hein, ce sera une autre vidéo pour ça, voilà, on va le refaire quand même, on va faire les fast-pass, on va avoir une deuxième aperçu, pour voir après si forcément, est-ce que au niveau des décors, on a été surtout ébloui parce que c'est nouveau, est-ce que on va être... Ouais, c'est petit con, on va voir. On va le refaire et on va voir ce que ça donne. Charmant. Il y a du monde au balcon. Moi j'ai du mal au menton. Et tu dans tes banouilles pour Prince Ali. Il a sort. Trois chameaux et chameaux. Ouais. C'est honteux, ils sont trompés dans Prince Ali. Bon, il pleut mais on passe une bonne journée quand même, c'est cool. On va aller voir Indiana Jones, enfin, on va aller faire Indiana Jones sous la pluie. C'est Babalox. Oh mon dieu, c'est lui. Voilà. Donc du coup, bah on y va, on va à Indiana. Ça va être cool. Sous la pluie et tout. Je retourne. Et on dort. Ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est un délire. Croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse. Oui, mademoiselle, ça c'est France. Un bon pignon, ça vous a bouté. Prenez donc le menu et quand vous l'aurez lu, ce sera la fête, ce sera chouette. Ma dinette. Hé, hey, faites coucou. On a rempli un wagon entier, c'est trop bien. Bah, il y en a aussi devant, mais je peux pas vous les montrer du coup. Bon, on va aller regarder la petite parade. Parce que voilà, aujourd'hui il pleut pas trop, donc on profite d'aller voir la parade. Hier on a pas pu la voir parce qu'il pleuvait. Et du coup, bah c'est le plan. On vient de faire Indiana, c'était cool. D'ailleurs, on a fait Indiana Jones, on a enlevé la pluie, t'as vu? Ouais. Et plutôt cool. On passe une bonne journée avec les abonnés comme d'hab. Ouais, grave. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde pour la parade, comme d'hab, en belle annotée, voilà, comme d'habitude. Et voilà, allez, on y va, on va se poser. Sinon, après, on va y avoir du monde et on va pas avoir nos places. A tout de suite. Les amis, pour moi, la famille d'honneur, c'est vous, les amis. Yeah, ouais, ouais, elle s'en va. On a fait un beau dessin d'ailleurs, regardez. Trop beau. Bon, on va lui dire au revoir. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur.
Bon, hé, Marie, viens voir. On s'en va. La journée est terminée. T'as passé une bonne journée? Oui. C'est vrai? Oui. Baba, la journée est terminée. Oui. Donc on rentre à la maison. Ah ouais, mais là on va se la journée est terminée. Donc on va aller par là. Donc voilà, la journée est finie, donc on va rentrer. Donc les amis, je pense que la vidéo est terminée. Donc on leur dit que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous?